curieux de savoir qu'est-ce qui arrive si je saute dans la rivière. Peut-être noyé. C'est ce que je pensais, ça fait du sens. Bonjour ma ligne de parfum, c'est DoomQC89, on est de retour dans The Long Dark pour notre épisode, en fait pour la partie 5 de notre partie 5 de l'épisode 4, Fury and Silence, du mode histoire, du mode Wintermute. Dans le dernier épisode, on s'est rendu, je sais plus si c'est dans le dernier ou dans l'autre d'avant, mais on a terminé notre premier objectif qui était d'aller chercher les médicaments pour soigner le warden, le directeur de la prison de Black Rock, pour se faire presque immédiatement kicker dehors pour aller Mathias, ouais, j'ai comme un blanc de nom, ça fait longtemps. Depuis le dernier épisode, les autres, je les ai comme tout enregistrés en boucle, ça allait bien, puis je me suis dit j'allais prendre un break rendu là. Puis, là, je suis comme un mois plus tard, j'étais un petit peu mêlé, ça se peut, j'ai oublié des trucs, mais j'ai regardé un peu mes affaires. Là, c'est ça. On doit aller à la centrale électrique pour régler un problème. On sait pas pourquoi il n'y a pas de power qui se rend à la prison. Fait que là, Mathias m'a dit, il m'a recrissé dehors, m'a dit, il va faire ça. En ce moment, on est au vieux poste de contrôle. On a plusieurs objectifs secondaires, donc dont trouver des électriciens perdus. Puis on a des caches. Fait que je vais m'enligner tranquillement vers la centrale. Là, on est sur le bord d'arriver au soir. Fait que je vais essayer d'aller trouver la cache. Puis peut-être on va passer la nuit chez l'électricien perdu. Ou en tout cas, essayer de trouver, voir où est-ce qu'il est. Et essayer d'atteindre une cabane. J'ai laissé du matériel ici, ouais. Parce que ça sert à rien de transporter trop de stock sur moi. Comment je suis en termes de poids? Puisque hein, vous me connaissez, je ramasse tout. Je ramasse trop de bébelles. Ok, c'est pas super. J'ai encore du lousse. Puis ça me dérange pas de le laisser barricader ici mon matériel. Parce que si je le ramène avec moi à la prison, je vais me le faire buster. Il me laisse littéralement seulement les vêtements que j'ai sur le dos. Puis encore, quand je rentre à la prison. Genre, ils me laisseront pas mon manteau. Donc, chose, si vous avez l'intention de jouer sans spoiler trop de choses, je vais quand même vous suggérer... Ah, je m'en prends dans la bonne direction, là, mais il y a une crotte là-bas. Ça m'intrigue. Je vais quand même vous suggérer un truc. Avant de retourner à l'intérieur de la prison, assurez-vous de planquer votre matériel parce que les prisonniers vont vous le confisquer. C'est comme... c'est une prison inversée, finalement. Normalement, la prison, c'est les prisonniers qui se font confisquer des trucs, mais là, c'est les prisonniers qui ont pris le pouvoir, qui ont pris le contrôle. Fait que ça se passe plus tout à fait de la même façon. Planque de l'électricité. Le sun setting. It's gonna get a lot colder soon. Yep. Feu de camp, objet brûlé. Ah, ok. Une assiette. La planque de l'électricien, est-ce que ça veut dire qu'il est ici notre électricien? Mais il me semble qu'il n'est pas en train de pointer vers ici. On peut peut-être trouver un cadavre quelque part. Où il s'est abrité là pendant un certain temps. On parle de quoi par exemple? Parce que j'ai ça qui tombe dans mon écran en ce moment. On va. Boum! Je vois plus clair, je vois clair. Le coucher de soleil dans mes yeux, là. C'est moins cool. Un double coucher de soleil. Fait que. Le conseil qu'il nous avait donné, c'était de suivre les fils. Parce que si je suis la route, je m'en vais traverser le pont qui est pété, je m'en vais par là-bas. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de raison d'aller là. Fait que je vais éviter d'y aller. Je sais pas si, vu que la nuit approche, là, je vais essayer de me dépêcher et d'aller vers ma destination le plus vite possible. Des loups sur mon chemin, par exemple, hein? Ici. Là.
sais pas s'il m'en restait des cailloux. Je commence à être lourd en munitions, pareil. Pareil, hein. Parce qu'au pied de chaque... des fois, il y a du matériel au pied de chaque pylône. Oh my god, l'eau... la rivière est réelle. La première fois qu'on voit de l'eau qui coule. Bon, c'est une meute, ça, même. Ah, shit, j'ai pas de ça, c'est là. Ah! Non! Méchant chien, va-t'en. Bon, pas d'hémorragie. Correct. En torse, ça c'est chiant un peu, là. Ça m'empêche pas de tirer mon revolver. Hein? J'avais-tu une canne de peinture? Non, hein? Ah oui, pis moi qui étais là qui disait j'avais pas ma carte, c'est parce que, écoute, j'étais un peu toto. Je m'en suis rendu compte après. J'ai tout le temps en tête que le symbole de la carte, c'est ça ici. Puis qu'elle est quelque part là-dedans. Mais non, c'est l'espèce d'étoile, là. C'est moi qui ai mêlé un peu avec d'autres jeux. Je trouvais que le livre semblait un peu comme... Ok, là, on va faire de quoi, pardon? Non, ça, c'est pour la douleur. Ah, ben, attends. Deux fois douleur. C'est pas vraiment grave. J'aurais pu ne pas guérir la douleur. On m'entorse. On guérit l'entorse pour pas tituber comme ça tout le long. Et écoute, on va se patcher quand on sera en sécurité. Là, j'essaie de grimper en haut. Hein. Je suis comme abandonné à mi-chemin. Hein. Je veux quand même explorer cette nouvelle carte. Là. Comme un. Ah, non, il n'y a pas de. Ah oui, une carte ici. Il y a du matériel intéressant. Tu sais, je vais en prendre. Parce que si à toutes les fois que je me fais approcher par des loups, j'ai les shoot, je vais commencer par manquer une munition, ça sera pas trop. Ok, il m'a dit, si tu veux pas te perdre, t'as juste à suivre les pylônes électriques. Ah, tu m'y as su, traverse leur vie. Bon, j'avais comme pas vu que. Ouais. J'avais vu la rivière sur la carte, mais j'en ai pas fait de cas parce que d'habitude, les rivières sont pas mal toutes gelées. Mais là, celle-là, elle coule à flot. Là, check bien, c'est ça la joke, c'est faut que je trace le pont, puis le pont, il avait de l'air cassé. Fait que comment que je me rends là? Moi qui m'en vais à des places où je suis clairement pas supposé me déplacer. Il doit y avoir un chemin quelque part plus intelligent. C'est un loup, ça. Il est bien tranquille pour un loup. Bon, la cache est quelque part pas loin d'ici. Selon moi. Ah, il est mort. Es-tu blessé tantôt, pis. Fine. Ça fait pas au pire, on se fait un peu de camp à côté de sa carcasse, pis on se fait un lunch avec, hein. C'est ça, j'ai pas de canne de peinture, j'avais pas même marqué. Ici, une cache, pas loin. Mal au bout de ce que je peux aller là, elle doit pas être plus loin la cache. En plein dessus. Ah, elle est là. Ah ah! Oh oui, 10 cartouches. Oh, ça c'est super bon.
5 cartouches. Les fusils de détresse, my god, j'ai dû faire un arsenal solide. Là. La cagoule est excellente. Là. Ok, elle n'est pas en bon état. Mais. C'est quand même pas mal l'équivalent à une tuque, me semble. Certains points avantageux et désavantageux. Le désavantage, c'est qu'on peut juste la mettre dans la partie intérieure, fait que sa protection contre le vent, on n'en a rien à faire. À moins qu'on aille absolument rien que ce morceau-là. Si on a deux tucs, on est mieux que deux tucs. Mais je pense que sa protection thermale est meilleure ou une affaire comme ça. Peut-être l'armure est plus haute. En tout cas, déjà en voyant, je voyais qu'elle achetait 3% au lieu de 2. C'est pas une grosse différence, là, mais si vous planifiez d'aller manger une volée, ça peut être bon. Là, c'est ça. Si je veux traverser de l'autre côté, je pense que j'ai juste comme pas le choix de passer par le pont. On dirait bien. Je pensais que j'aurais pu traverser la rivière, mais là, on se ramasse en falaise. Blackrock est en haut. On n'a pas accès. Il faut vraiment chuter là. Fait que son indication de pylône était plus ou moins fiable. Ben oui, mais... Oui, il fallait suivre les pylônes absolument. Rendu à un moment donné, le pylône traverse la rivière, puis moi, je peux pas le traverser. Ah, c'est ça. Le pont est brisé. Donc, ça doit passer, je peux pas craindre. Mais je regarde le courant de la rivière, puis je me dis, ça, c'est pas bon. Black Rock Federal Pen. Pont étroit. Je dirais plutôt écrasé. Mais... Wow. Easy does it. Easy does it, en tout cas. Ah, j'avoue qu'il était trop en termes de... Ouais, faut juste passer un véhicule à la fois, là. Évidemment, il y a vraiment beaucoup de gens qui perdent le contrôle de leur véhicule dans cette... sur cette île. Toutes les pires chauffeurs. On dirait que tous les véhicules... Il y a beaucoup de véhicules qui ont pris le clou. Remarque, bon, ils ont perdu le contrôle avec la tempête géomagnétique du véhicule. Fait que ton cerveau de direction, tout ça fonctionne plus. Je peux comprendre que tu paniques un peu, les freins marchent plus, rien. Ben, les freins peut-être. Hein. Bon, fait que là, je suis le chemin probablement. Jusqu'à date, c'est pas trop compliqué où je dois aller. Il faut juste que je suive la route comme il faut. Il y en a qui passent sur des tangentes. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Dans toutes les directions. J'ai oublié d'ouvrir le capot d'en haut. Ah, Stacy! Give me some food, Stacy. I think I can use this. Je vais définitivement m'en servir, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que la fin de l'épisode, ça va se finir en Red Dead Redemption avec un revolver et puis 2-3 prisonniers. Hein. Ça serait badass, mais c'est pas ça qui va arriver, c'est sûr. Hein. On est pas dans le bon style de jeu pantoute, là. Ça mène où tout ça? Hein? Ok, ça mène encore à bonne direction. Je suis totalement désorienté. Ok, ouais, bien évidemment, le chemin est bloqué. Bon, si je me fie à ma carte, c'est même pas par là, faut que j'aille par là-bas. J'étais un peu perdu! Il fallait que je monte là ici, quitte la route ici, quitte la route. Il faudrait que je trouve un abri bien vite parce que la nuit s'en vient tomber. J'ai pas pu passer la nuit dehors avec les loups. Est-ce qu'on longe la rivière? La question du jour, c'est est-ce que je suis censé pas être capable de passer ici? Ça, c'est ma question vraiment à toutes les fois dans une nouvelle carte. Hi! Non. Ben voyons!
Je m'en vais là-bas comment, moi? J'ai pas vu d'autres ponts ailleurs. Suivez la ligne haute tension. Ben oui, toi, je vais traverser l'eau comment, moi? Mais je ne serai pas dans le vide. Non, c'est là que j'arrive. Je sais pas si c'est. Aïe, down! On vient fatigué puis surchargé, on fait des niaiseries puis on se blesse. Ah, merde, oui. Bon, je vois pas le. La rivière a arrêté de faire du bruit de quoi. Le son. Ah, bienvenue. Le son comme buggy. What the hell? Bon, il y avait un pont là-bas. Mais si je regarde la carte, je peux pas aller plus vers la droite, je m'en retourne vers Black Rock. Qu'est-ce qui arrive? J'essaie de traverser la rivière. Moi, je sens que c'est la mort. Je regarde le courant là. Je veux dire, en plein été avec une veste de sauvetage, ok, cool. Mais là, okay, on va passer la nuit. Hein. C'est une futile exploration. Pas du tout le résultat que je m'attendais. Je pensais que ça easy peasy se rendre là, mais apparemment que non. Tu fais un feu. On va passer la nuit. Ouais, il fait pas froid là, pendant ce temps-là, sinon. Puis la visibilité est bonne, mais. Sa visibilité est bonne, mais de nuit. Pas très pratique. Turned out pretty well. Faire de long un peu. Bon, c'est quand tout décide de pas t'aider, là. Quand t'écoutes, qui décide qu'il manque de batterie. Ah ben! On va voir. La viande à faire cuire sur moi. Ah, mais vous vous foutez de ma gueule. Là, le vent se lève. J'ai l'impression que je vais me réveiller en plein milieu de la nuit avec mon. Mon feu éteindu. Mes bobos sont passés. Des fois, il n'y a pas d'urgence à guérir un entorse. Ça dépend ce qu'on fait. L'entorse au pied, ben, ça nous fait boiter. Bon, on peut pas vraiment courir. C'est un peu déplaisant, se sauver. L'entorse au poignet, on peut pas utiliser l'arme à feu à deux mains. On peut utiliser le revolver, pas de problème. Je sais pas comment ça fonctionne exactement l'idée là, mais bon, ça a senti moins 16 au lieu de.
C'est pas tant Mathias. Oh! Ah! Bon, moi qui m'étais réglé mon problème d'entorse. Ok. Voilà pourquoi il ne faut pas se promener sur le bord des falaises comme un débile. C'est un peu dangereux. À l'abri, ça. Mais ça aide d'une façon que je puisse être bon, à l'abri du vent comme ça. Je suis capable de me mettre à l'abri. Puis. Dormir le reste de la nuit, là. Je suis dans le négatif de 1 degré, en tout cas, on arrive avec. Là. Ça va me permettre vraiment de faire un feu, il va. Bon, ben c'est le genre de journée qui est pas un succès. On retourne à la base. On retourne où est-ce qu'on est parti. Je ne comprends pas où est-ce que je dois passer. J'ai pas vu d'autre pont. Je pense vraiment qu'on était censé passer par le pont, traverser la rivière, mais là on arrive au bord de la rivière, on n'a pas d'option vraiment. Je sais pas si je me mets. Je suis capable de mettre à l'abri du vent ici, partir un peu de camp ici. Ouh, c'est pas facile! Une belle fin de journée météo la veille, puis on l'a comme. It worked. Un peu gaspillé, je pense. Pas qu'on l'a gaspillé, mais. On va se faire. J'ai-tu rien que ça de nourriture sur moi? Il va vraiment falloir. Il va vraiment fallu que je ramasse la viande sur un loup. Hein? Espérer que la tempête s'éteigne éventuellement. Ah, qu'est-ce qu'on a? Un photo de la clôture. Comme un peu curieux. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui arrive si je saute dans la rivière. Peut-être mon noyer. C'est ce que je pensais, ça fait du sens. Quick! Question réglée. C'est pas l'option, c'est pas une bonne option. Mais. J'ai tellement l'impression que je manque de quoi. C'est sûr que c'est par l'autre bord. Là. Je peux pas traverser la rivière en nord. C'est le seul pont qu'il y a sur l'eau. C'est sûr qu'il faut que je traverse par ici. Pas d'autre moyen.
mort instantanée, c'est normal. Je me suis dit, peut-être qu'il y a une animation qui fait qu'on se fait wash ashore, on se fait transporter par l'eau, puis on se fait emporter plus bas, mais non. Ça aurait été beaucoup trop facile. Météo parfaite pour faire l'exploration, n'est-ce pas? Ça se peut que je tombe dans la rivière par accident sans m'en rendre compte. Je consulte la carte. Là. Il est là, notre passage. J'ai l'impression, pourquoi je le verrais pas? Un peu hacké d'avoir la carte là, dans le temps. Ouais, c'est un peu chaud. Ça va, c'est pas comme ça. Exactement où est-ce qu'on était. Je vois pas où la problématique. Je vois pas pourquoi j'ai pas trouvé le chemin avant. Pourquoi j'y allais pas. What is the matter? Ça va même pas passer par le... My fingers feel numb. Landslide. From all those quakes, I have to find a way up and around. Ok, il me l'a pas dit ça. C'est normal que j'arrive ici là. Up and around, hein? Pretty much up. Non? Ça a été cool. Ah, ben il y a une autre table de tomber. Bon. Ah. So, cold. Ah, écoute, si ça serait pas The Long Dark, je penserais que ce serait ça vraiment le chemin. Qu'elle a passé là, non? Comme il faut filer quelque part entre deux roches. Non, ok. Bon, ben. Thanks for nothing. C'était donc stupide comment j'ai pas vu ça. Hein? Là, il fait extrêmement fret. Hein? Je vais-tu réussir à me rendre? Mon objectif à l'aveuglette de même. Ou est-ce que j'essaie de me faire un abri? Parce qu'en dessous de la... Dans l'espèce de... Pas une grotte, là, mais dans le passage en dessous des rochers. Ça aurait été un bon endroit pour... faire un feu, peut-être être à l'abri du vent. Ou est-ce que je press on? On press on. On continue d'avancer. Je suis confiant là que j'ai le potentiel de m'en aller clairement pas dans la bonne direction. Mais si j'ai bien compris quelque chose sur cette carte-ci, c'est que la ligne droite n'est pas le chemin le plus court entre le point A et le point B. Ok, j'essaie de le collecter, peux-tu même laisser le ramasser, les bastos? Pas capable de l'attraper.
comme ça là. Ça là, un superbe pont. Après tout, on a survécu à un crash d'avion. Je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tuer Mackenzie. On s'est chauffé pour vrai. Je vais consulter la carte. Étant donné qu'on y va pas mal à l'aveuglette parce que la visibilité est écœurante. Là, je vois le temps avancer et je me dis qu'on va peut-être prendre une pause ici. Well, continuer. Thank goodness for that. Pour le prochain épisode. Après qu'on soit réchauffé un peu. Ah, qu'est-ce que je fais là? Pas de tort, pourquoi pas, hein? T'as un petit tiers cet après-midi, là. Ça chauffe pas en même temps. Alright, je termine l'épisode là-dessus. On continue ça back-à-back avec la prochaine. Puis je vous dis sur ce. À la prochaine. C'est là, amusez-vous bien. Ciao!